Au moyen du service humanitaire appelé Le Meilleur Chemin pour votre santé, 4400 membres de l'Église adventiste, avec leurs amis, les membres de leur famille et leurs collègues, ont organisé un accueil dans une méga-clinique gratuite et d'une échelle herculéenne. Des partenaires nous ont rejoints pour faire de cette méga-clinique une réalité. Les services laïcs adventistes de l'Église adventiste, le département adventiste de la santé au moyen d'hôpitaux locaux, y compris le centre médical White Memorial, le centre médical adventiste Glendale et l'hôpital Simi Valley avec le département santé de l'université de Loma Linda, ont tous fourni des ressources inestimables. Tandis que des fabricants notoires tels que GE et Konica Minolta, parmi beaucoup d'autres, nous donnaient les clés des équipements médicaux. Le maire de Los Angeles et plusieurs conseils de district se ralliaient à nous pour soutenir cet événement humanitaire. Dans le but de se mettre au service des habitants démunis de Los Angeles, une fois de plus, des volontaires sont venus de toutes les régions d'Amérique du Nord et de l'étranger. Des dentistes, des médecins, des spécialistes, des infirmiers et infirmières, des aumôniers, des coiffeurs, des esthéticiennes, des employés de bureau, des professionnels de la communication, des coachs en style de vie, des spécialistes ophtalmologues et bien d'autres encore. Ils travaillent jusqu'à ce que leurs pieds soient endoloris et leurs paupières lourdes. Cependant, jamais leur sourire et leur douceur ne s'effacent. Voilà pourquoi les résidents de Los Angeles et certains venus du lointain Idaho ou du Texas font une fois de plus la queue pour obtenir des soins qui dépassent leurs possibilités financières. Certains passent la nuit devant les portes pour les voir s'ouvrir le matin. Les portes de la santé, les portes de l'espoir. Des milliers ont été pris en charge, des milliers ont été aimés par des milliers qui ont répondu à leurs appels afin d'aimer comme Jésus aimait et de servir comme il servait. Au bout du troisième jour, 8537 patients avaient reçu une attention médicale ou dentaire dont ils avaient désespérément besoin, en même temps que de l'amitié, des encouragements et aussi, le plus important, l'espérance. Voilà ce qu'est la mission. Une mission accomplie. Une mission accomplie ensemble.